En janvier, après les traditionnelles galettes des rois partagées avec les associations, nous commencions l'année ensemble, ici même, le 20 janvier dernier, avec la traditionnelle cérémonie des vœux. Et ce soir, permettez-nous de faire une petite parenthèse, car nous avons le plaisir de recevoir des néo-tarasconnais. Alors une nouvelle fois, bienvenue à Tarascon. Parenthèse refermée, revenons-en à notre année 2018. Et un mois de janvier qui a aussi commencé avec des travaux d'amélioration du cadre de vie, en ville, notamment avec le goudronnage de certaines rues et la place Sainte-Équiterie qui a changé de visage avec l'installation de poteaux et d'une quille rétractable qui réserve l'accès au garage des riverains et empêche l'accès et le stationnement aux voitures. Le mois de février, lui, a commencé sous la neige. Alors oui, la neige n'est pas encore une chose trop rare, mais ces quelques clichés de Tarascon, sous un manteau blanc, ont fait rentrer cette publication de notre page Facebook dans le top 5 des posts de l'année. C'est un des plus likés et des plus partagés. Cette page Facebook, qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans, compte désormais près de 900 abonnés. D'ailleurs, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le petit pouce bleu. La neige partie, c'est du côté du parking du Moulin Neuf qu'un important et nécessaire chantier a commencé. Les 27 peupliers de la berge, fragilisés par le temps et par la grande saperde du peuplier, un insecte qui ronge le tronc de l'arbre sur toute sa longueur, ont été abattus pour garantir la sécurité de tous. De nouvelles plantations ont suivi, des aulnes et des sols arbustifs ont été choisis et vont être installés très bientôt afin d'en maintenir la fonction ripisylve et préserver ainsi la zone. En mars, on a commencé par faire la fête ensemble, enfants et grands, à moins que ce ne soit grands-enfants. Enfin bref, on a fêté carnaval dans toute la ville. On a aussi fêté, pour la première fois au cinéma, le court-métrage, en partenariat avec Ciné 9, une semaine spéciale dans le cadre du programme national et avec la diffusion sur 3 séances de 20 courts-métrages destinés à tous les publics et tous les âges. En mars aussi, ce fut le point de départ d'une grande consultation en ligne pour le cinéma et par questionnaire disponible au Centre culturel pour mieux connaître les goûts et les préférences des cinéphiles tarasconnais. Cette consultation sur un mois a vu la naissance dans la foulée d'une newsletter hebdomadaire et d'une réflexion plus globale sur l'organisation des séances. 9 mois après, et en ayant pris note de toutes vos remarques, de nouvelles séances ont été ajoutées. Des films sont désormais diffusés sur plusieurs semaines et bientôt de nouvelles séances en VO. Le cinéma, qui d'ailleurs, à l'heure de faire le bilan, enregistre en 2018 une hausse de fréquentation de près de 30%. Enfin, fin mars, Tarascon a accueilli le premier forum pour l'emploi dédié à la saison estivale, en partenariat avec Pôle emploi, ainsi qu'avec la communauté de communes du pays de Tarascon, la communauté de communes de la Haute-Ariège, la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes et l'office de tourisme des Pyrénées-Ariégeoises. Sur cette demi-journée, ce sont près de 40 structures qui étaient présentes sur place, 230 offres d'emploi qui ont été proposées et plus de 1000 visiteurs. Une nouvelle édition se tiendra la mi-mars prochain, toujours à la MJC de Tarascon, toujours autour des métiers du tourisme, mais également, plus largement, sur les métiers de service à la personne et les industries locales qui recrutent sur le territoire. En mai, place à la grande foire de Tarascon, avec ses 3 jours d'animation, ses centaines de stands et ses milliers de visiteurs pour découvrir et redécouvrir en famille la vitrine des races pyrénéennes avec des expositions de vaches gasconnes, de chèvres, de la brebis tarasconnaise, évidemment, sans oublier les chevaux, les ânes, les oies, bref, ils étaient tous là. L'occasion aussi de mettre en valeur le savoir-faire artisanal local et les produits ariégeois. Et pour la première fois, la foire accueillait la région Occitanie, présente sur place avec un stand dédié au pacte alimentaire régional, aux côtés de nos partenaires institutionnels historiques, comme le CESTA, l'Office du tourisme Pyrénées-Ariégeoise et la Chambre des métiers. Mais cette année, la foire, c'était aussi le croisement avec un autre grand rendez-vous à Tarascon, la cérémonie de jumelage avec Tarascon en Provence. Nos amis provençaux, après nous avoir reçus l'an dernier, ont donc pu revenir dans notre cité tarasconnaise pour sceller, le 9 mai dernier, notre gémellité en présence également des représentants des villes européennes avec lesquelles nous sommes jumelés, Berga, Monzon et Morsano al Tagliamento. Le lendemain et dernier jour de la foire, c'est dans les rues de la ville que nos deux cités ont défilé, l'une à côté de l'autre et devant des milliers de personnes, faisant honneur
patrimoine culturel de nos régions respectives. En ce début du mois de juin, direction Banat pour accueillir, grâce au travail du comité des fêtes en partenariat avec la mairie, le groupe Nadao qui a donné le 15 juin dernier un grand concert qui a affiché complet très vite et qui a rassemblé plus de 800 personnes. À Tarascon, en juin, on célébrait la solidarité avec l'inauguration de l'espace Sabar le samedi 23 juin dernier. Un chantier entamé il y a 2 ans avec 3 axes, construction, aménagement et rénovation. Construction du bâtiment de la Croix-Rouge. Aménagement de la façade du bâtiment central de l'espace Sabar. Création d'un studio d'hébergement d'urgence, d'un bureau, d'une cuisine collective et de 2 espaces pour le secours populaire et le secours catholique. L'aménagement des accès avec la création d'un accès PMR et la création d'une liaison entre les bâtiments. Et enfin, l'aménagement paysager le long des bâtiments. Total des chantiers, 202 000 euros, financés par les subventions de l'État, du Conseil départemental et de la CAF, ainsi qu'en fonds propres. Enfin, en juin, la commune de Tarascon est également rentrée dans la phase d'expérimentation de réduction de l'éclairage public. À l'étude depuis 2016, ce plan de redéfinition de l'éclairage public a été mis en place courant juin avec 2 objectifs, un premier économique et un deuxième environnemental. Le conseil municipal a entériné le choix d'une phase d'expérimentation avec l'extinction totale de l'éclairage entre minuit et 6 heures du matin. Aujourd'hui, depuis janvier, nous sommes entrés dans une deuxième phase de cette expérimentation avec la mise en place du 1 sur 2 ou le 50%, à savoir un lampadaire sur 2, à quelques exceptions près. Alors nous sommes actuellement à la phase 2 de l'expérimentation sur l'extinction de l'éclairage public. Après une première phase d'extinction globale, nous passons à une deuxième phase d'expérimentation qui est ce qu'on appellerait le 1 sur 2, une ampoule sur 2. Tout en conservant à l'esprit que l'objectif c'est les économies, comment faire que ce soit adapté à la population, adapté aux besoins d'éclairer, à la nécessité d'éclairer pour des raisons de sécurité, pour des raisons de service en nuit. Aujourd'hui, cette deuxième phase va permettre d'affiner justement ces demandes, d'être plus près des remontées d'informations que nous avons eues de la part de nos concitoyens au cours des 6 premiers mois. Souvent, on nous dit on était mal habitué, on éclairait trop. Effectivement, jusqu'à présent, on éclairait trop, on éclairait mal. Nous voulons éclairer demain plus juste, nous voulons éclairer mieux, tout en réalisant des économies. Depuis 2017, les luminaires des bâtiments publics, locaux associatifs, écoles, mairies sont progressivement remplacés par des dalles LED moins énergivores. En juillet, place aux festivités, place au Festival Latino qui continue son tour du monde pour la 25e année consécutive. 6 jours de spectacle, de musique et de chorégraphie avec des compagnies venues du monde entier. Et un festival qui n'oublie personne. Comme chaque année, une compagnie de danseurs, et cette année ce fut le Chili, s'est rendue à l'hôpital Jules Rousse pour une démonstration et une animation pour le plus grand bonheur de nos aînés. En août, on garde le même rythme avec les fêtes de Tarascon, 4 jours de fêtes et beaucoup de monde, notamment pour voir les indémodables Zouk Machines qui ont mis le feu à l'esplanade de la Libération. En parlant de feu, vous avez été nombreux à partager vos vidéos et vos photos du grand feu d'artifice qui a clôturé la fête. On salue également la grande première des estivades poétiques, organisée par l'association La Voix du Scribe, qui a rempli sur 2 jours la ville de poésie avec ses stands et ses lectures musicales. Une nouvelle édition est déjà dans les tuyaux pour tous les amateurs des mots. Arrive alors la fin août, et pour certains, la fin des vacances. Ah, il faut préparer la rentrée. Mais cette année, c'est le conseil municipal qui a préparé le cartable des jeunes tarasconnais, avec la mise en place et la distribution avant la rentrée de septembre des packs de fournitures scolaires à tous les élèves de l'école élémentaire. En accord avec les instituteurs, des dotations ont été préparées pour les élèves de CP et CE1 ainsi que pour les élèves de CE2 et cours moyens. Le coût global de cette opération pour la collectivité et pour la rentrée 2018-2019 s'élève à 3 623 euros, ce qui représente un prix moyen des fournitures pour la rentrée et par enfant de 35 à 55 euros, selon la dotation CPCE1 ou la dotation CE2 pour moyen. La mairie de Tarascon a toujours lutté contre les inégalités sociales.
En ma qualité d'adjointe chargée de la politique scolaire, il était évident d'y associer l'école. Jules Ferry a écrit dans ses ordonnances que l'école est gratuite. Je suis donc partie de ce postulat en proposant à mes collègues du conseil municipal d'offrir à chaque enfant de Tarascon et de Banat le matériel nécessaire pour aborder la rentrée. Ce matériel vient bien sûr en complément des livres, cahiers, logiciels et autres déjà fournis aux enseignants. C'est une économie non négligeable pour les familles qui, de plus, permet de réduire les inégalités entre les enfants puisque tous ont le même matériel. Et cela s'inscrit bien sûr dans la politique sociale que nous menons depuis le début du mandat. Au 1er septembre, les rues de la cité Saint-Roch se sont vues attribuer des noms. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les habitants, cela veut dire beaucoup. Cette identification était devenue indispensable pour des raisons à la fois pratiques, pour les livraisons, les abonnements, etc., mais aussi pour des raisons de sécurité et faciliter ainsi l'intervention des véhicules de secours. Quelques jours plus tard, les bornes électriques du quartier des Arrigols étaient mises en service, portant à 4 le nombre de places sur la commune dédiées à la recharge de véhicules électriques. Ces deux bornes complètent le dispositif de charge rapide, puisqu'il ne faut qu'une heure et demie pour recharger à 80% le véhicule, déployé sur tout le département par le syndicat d'énergie de l'Ariège. Les 14 et 15 septembre, place au théâtre, avec la deuxième édition des théâtrales. Olivier de Robert, qui compte mieux que personne à l'Ariège, et la troupe complètement déjantée, mais si juste, dont n'est pas couché, ont ravi les près de 400 spectateurs sur les deux jours. Enfin, nous clôturions ce mois de septembre avec l'accueil à la MJC de la finale du Micro d'Or, le radio-crochet organisé par la radio Pyrénées FM, qui rassemblait les talents de demain de toute la région. En parlant de talents, quel plaisir et quel bonheur partagé par 400 spectateurs que d'avoir reçu Isabelle Aubray, l'amie de Jean Ferrat, la muse d'Aragon, a offert non pas un, mais deux choses exceptionnelles, avec un tour de chant de 2 heures reprenant ses grands titres ainsi que ceux des grands auteurs de la chanson française. En novembre, les jardins de Sabar se sont enfin révélés. Inaugurés le 9 novembre dernier, il reste encore quelques retouches pour l'accueil définitif au public qui se fera à partir du 15 avril, mais depuis plusieurs mois déjà, plusieurs Tarasconnais ont eu le plaisir de prendre possession d'une parcelle des jardins familiaux. Et c'est encore eux qui en parlent le mieux. Mais pour moi, mais le jardin de Sabar, de toute façon, enfin, pour moi, le jardin, c'est super bien fait. Vu que je vis en appartement, et chaque fois que ça va pas, que j'ai pas le moral, et que je passe mes journées, des heures ici au jardin, et quand je rentre chez moi, et bien je suis heureuse, je suis satisfaite, et j'ai profité de très bons moments. La convivialité, oui. Oui, aussi. La convivialité, de nouveaux amis, du partage, et puis en termes financiers, c'est quand même pas négligeable, ah, parce que quand on voit le prix des légumes et la triste mine qu'ils ont, on est bien content d'avoir le sien au jardin. Hein. Ah, c'est vraiment le quart d'heure de bonheur et d'air pur. Voilà, c'est du partage, beaucoup de partage quand même. Hein. Début décembre, ce sont les marches organisées par l'espace d'initiative locale, tous les mercredis après-midi, qui ont repris. Gratuites et ouvertes à tous, elles s'ajoutent aux nombreuses activités et ateliers. Les ateliers Qigong ou Gym Douce dans le cadre de Parcours Santé, ou les ateliers d'alphabétisation proposés par Tarascon Alpha, qui animent, entre autres, l'espace d'initiative locale. Et voilà, notre tour de l'année se termine en évoquant le mois de décembre où à Tarascon, toutes les générations ont fêté Noël, à la crèche, à la MJC et bien sûr nos aînés, avec un seul mot d'ordre, enfin non, plutôt deux, partage et convivialité à tous les âges. Et Tarascon, c'est aussi, tout au long de l'année, à travers ses services, ses installations, ses 60 associations culturelles, sportives, éducatives ou solidaires, et bien sûr, ses habitants, des valeurs essentielles, comme la solidarité, la citoyenneté et le partage, à travers la culture, les arts ou encore le sport. C'est aussi les valeurs d'une ville-centre, qui, dans un contexte parfois difficile de réduction des moyens, se doit de préserver la qualité de ses services publics,
pour garantir à ses concitoyens la proximité et l'accessibilité. Une ville qui se doit aussi d'imaginer son futur et d'assurer des projets. Ainsi, à l'horizon 2019-2020, Tarascon va encore continuer sa mutation. Faciliter la mobilité des Tarasconnais avec la rénovation d'une partie des trottoirs de l'avenue Victor Pille dès le premier semestre. La réfection progressive de nombreux trottoirs en ville. La création d'un city park. L'installation de nouvelles caméras de sécurité. La rénovation des jeux du centre culturel. Et bien évidemment, la construction du nouvel hôpital. En s'appuyant sur ces valeurs, Tarascon continue sa transformation pour une ville solidaire, une ville citoyenne. Une ville animée, une ville centre. Tarascon, ma ville. Tarascon, notre ville. Ah, et j'allais oublier une toute dernière chose. Souriez. Et à l'année prochaine.